La politique de la protection de la biodiversité est un levier important du développement durable. Les ressources en environnement ainsi que la gamme de services qu'elles peuvent rendre contribuent à la réduction de la pauvreté, propulsent la croissance économique et participent à la sauvegarde de l'espèce humaine. De la nourriture à la sécurité énergétique, à la santé humaine et environnementale, la biodiversité est une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle, contribue ainsi à l'amélioration du bien-être social et à la croissance équitable. La biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle, est le thème de la Journée mondiale de l'environnement. Un thème aussi révélateur, surtout qu'il met en relief un élément primordial de la vie. Il est non seulement vital en matière de santé, mais aussi d'emploi permettant de répondre au développement économique, social et humain. Le thème de cette année se veut un moyen visant à déterminer le rôle joué par la biodiversité dans la protection de toutes les espèces vivantes sur la planète Terre. Célébrée chaque année le 5 juin, la Journée mondiale de l'environnement est l'occasion tout indiquée pour faire le plaidoyer en faveur des espèces menacées de disparition. Il s'agit d'une journée pour préparer la manière de gérer l'environnement à venir. C'est aussi une invite pour les États à matérialiser leurs actions telles que la sensibilisation du public par des publications, des diffusions, des documentaires, l'organisation de conférences, de tables rondes, des séminaires et d'expositions liées à la conservation et au développement des ressources naturelles. Cette journée placée sous les thèmes « La biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle » permet à l'ONU et ses États membres de consacrer des efforts à la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies, notamment de la gestion de l'environnement, de la mise en œuvre des politiques de protection environnementale et par ricochet, celle de la biodiversité. C'est ainsi que le ministère de l'Environnement du Tchad profite de cette journée pour attirer l'attention du public sur les enjeux cruciaux relatifs à la destruction de la biodiversité. La biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle, occupe une place centrale dans le nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est le message transmis par les États et leurs partenaires techniques et financiers.